Patriotes, je vous confirme que nous sommes en direct là pour attendre les résultats. C'est bien ce soir. De la CENI. Cependant, face aux irrégularités constatées et soulevées par la clameur publique, la CENI ne pouvait rester indifférente et se devait d'accorder une attention particulière afin de déceler tous les cas de fraude et d'abus. Telle est la raison du report de la publication de ces résultats qui intervient aujourd'hui, soit 10 jours après la date prévue. L'attente a pu paraître longue, mais la CENI se devait de protéger et de restaurer la voix de l'électeur congolais confronté au gangstérisme électoral. Conformément à son rôle lui attribué par la Constitution de la République démocratique du Congo, par la loi électorale et par sa loi organique, qui est d'organiser tout processus électoral et d'en assurer la régularité, la CENI s'est faite un devoir de ne pas prendre en compte dans son comptage ceux des suffrages acquis abusivement par certains candidats. C'est ici l'occasion de remercier les électrices et électeurs congolais pour avoir dûment documenté ces irrégularités, notamment grâce à la non-coupure de l'Internet, contrairement au processus électoraux passés. J'aimerais rappeler que cette action de la CENI n'est nullement une chasse aux sorcières, mais elle s'inscrit dans la ligne droite de son plan stratégique qui est principalement celui de s'aligner sur les standards électoraux internationaux. La CENI assume pleinement la démarche qui a été la sienne de documenter les irrégularités afin de garantir la transparence et l'intégrité des élections organisées le 20 décembre 2023. Et elle annonce donc des sanctions exemplaires à l'égard de son personnel qui a participé au cas de fraude. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'aimerais attirer l'attention de toutes les parties prenantes sur le fait que, depuis 2006, les processus électoraux en RDC sont confrontés aux mêmes difficultés et irrégularités. La viabilité de notre jeune démocratie dépend aujourd'hui des leçons tirées des 4 cycles électoraux. Il est insoutenable que les élections continuent à se tenir en période pluvieuse. Or, la saison sèche offre un environnement propice pour le déploiement et l'acheminement du matériel électoral. Il est tout aussi insoutenable de voir cohabiter les dispositions anachroniques avec des mesures modernes dans les textes légaux qui régissent l'organisation des élections en RDC. C'est le cas, par exemple, du fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats qui est en déphasage avec l'exigence légale d'utiliser la voie la plus rapide de transmission des résultats. Il en est de même des cas de divergence constatée entre les résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique de vote. Les derniers faits saillants de bourrage d'urnes, de manipulations frauduleuses des devs du scrutin du 20 décembre 2023 montrent les limites de la prééminence des résultats manuels tels que consacrés par l'article 67 de la loi électorale. Il est donc temps que toutes les parties prenantes prennent conscience des réformes désintéressées à mener en vue d'améliorer les processus électoraux à venir. Je vous remercie. Respectueusement invité le président de la CENI à présenter les partis ayant atteint le seuil ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de suffrage valablement exprimées de la circonscription. Je vais, petit changement de programme, je vais plutôt inviter respectueusement Madame le rapporteur de la CENI à lire la décision portant publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Merci, c'est bon. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 002/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024 portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés nationaux du 20 décembre 2023.
Excellence, Monsieur le Président, avec votre autorisation, si je peux passer directement au conseil. Merci. Considérant qu'après l'annulation des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma et l'annulation des suffrages des candidats sanctionnés par la CENI, le suffrage valablement exprimé s'élève à 17 976 551. Considérant que le suffrage valablement exprimé à l'occasion de l'élection des députés nationaux permet de fixer le seuil légal de représentativité nationale de 1%, soit 179 665 voix obtenues par candidat indépendant, parti ou regroupement politique, conformément à l'article 118 de la loi électorale précitée. Vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des députés nationaux tels que repris dans les annexes de la présente décision. Article 2, seuls sont éligibles à l'attribution des sièges dans chaque circonscription électorale les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale. Article 3. Les résultats provisoires de l'élection des députés nationaux sont publiés par circonscription électorale, sauf pour les circonscriptions de Bujala, province du Sud-Ubangi, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, faisant objet d'enquête. La liste de chaque circonscription électorale est accompagnée des annexes ci-après. L'annexe 1 reprenant la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale et de ceux ne l'ayant pas atteint. Article 2, ou annexe 2 reprenant la fiche d'attribution des sièges par liste des partis ou regroupements politiques, l'annexe 3 reprenant la fiche d'attribution des sièges aux candidats des listes des partis ou regroupements politiques, l'annexe 4 reprenant le tableau récapitulatif des élus par circonscription électorale. Article 4. Les résultats détaillés par candidat ainsi que les procès-verbaux de dépouillement sont transmis à la Cour constitutionnelle pour des éventuels recours dans un délai de 8 jours à compter de la présente publication. Article 5. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 13 janvier 2024, Denis Kadima Kazadi, président. J'invite très respectueusement le président de la CENI à poursuivre et à présenter les partis ayant atteint le seuil, ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de suffrage valablement exprimées de la circonscription. Merci beaucoup. Le suffrage national valablement exprimé est de 17 976 551. Taux du seuil, c'est 1%. Valeur du seuil, 179 765,51. Alors voici la liste des partis et regroupements politiques ayant obtenu et candidats indépendants et avec voix obtenue. Je vais me limiter seulement au nom de voix, vous pourrez les lire. Comme ça, on va aller un peu plus vite parce qu'il fait, il se fait tard. 1. UDPS Tshisekedi. 2. ABAR AINC. 3. AFDC A. 4 AB, 5 2A bar TDC, 6 AAAP, 7 A bar B50, 8 AACPG, 9 ensemble, 10 MLC, 11 A24, 12 code,
13 4AC, 14 ABC, 15 ANB, 16 AAD-A, 17 AV, 18 AACRD, 19 A3A, 20 AMSC, 21 ATUA, 22 AAEC, 23 AN, 24 ACP-3A, 25 AE, 26 AUN, 27 A25, 28 AEDC-A, 29 AAC bar Palou, 30 FPAU, 31 Avançon MS, 32 A bar VK 2018, 33 AABG, 34 AADC-A, 35 A1, 36 AVC-A, 36 IDPS Kibasa, 38 AESPA, 39 APA bar MLC, 40 A2R, 41 Nouvel Élan, 42 AAAR bar CRD, 43 APCF et 44 DIPRO. Il s'agit là des parties ayant atteint le seuil. Maintenant, je vais lire le nom et la voix obtenue par les meilleurs élus de la circonscription. On commence avec la province de Basse-Vélé, la circonscription électorale de Boutaville. Il s'agit de Guito Amela Carole, organisation AAEC, voix obtenue 11 524. Ok. Bulletin valide 16 945. Siège obtenu, un siège. Et puis province Équateur, circonscription de Bomongo. Il s'agit de Mangombe Bomongo Jean-Marie. Oui, Mangombe Bomongo Jean-Marie, de l'UDPS, voix obtenue 9534 sur 15303, siège obtenu 1. Province du Kasaï, circonscription de Dekese, Bokele Djema Adrien, de Abar à UNC, voix obtenue 11544, bulletin valide 12838. Province de Lomami, circonscription de Kabindaville, Lumano Chimpaka Michoni Véronique, organisation ACP bar A, voix obtenue 2846 sur un total de bulletins valides de 4716. Province de Lualaba, circonscription électorale de Kapanga. Il s'agit de Mbaz Ambang Edmond, du parti Avançon MS, voix obtenue 31466 sur un total de bulletins valides de 49182. Province de Maniema, circonscription électorale de Kindouville, Matata Ponyo Mapon, parti LGD, voix obtenue 31156, bulletin valide 58694. Province de Mongala, circonscription électorale de Lissalaville, Sakombi Molendo Aimé, organisation AAUNC, voix obtenue 10072, bulletin valide 18323. Province de Sankourou, circonscription électorale de Lumumbaville, chez Okitundu Lundula Léonard,
organisation AASC, voit obtenu 3600 sur 6728. Et enfin, Tanganyika, circonscription de Nyuzu, Mukundi Nyembo Kaumba Emmanuel, de Avançon MS, voit obtenu 20080, bulletin valide 35697. Maintenant, nous allons passer au résultat provisoire par province. N'est-ce pas? Province Bazuélé, circonscription Aketi, Ngombe Nzeu Charles, du parti Ensemble, voit obtenu 10197. Bon, je vais vous épargner du nombre de voix, je vais seulement citer le nom du candidat et son parti. Province de Bazuélé, circonscription de Ango, Nema Painigné Grasse, du Code, voilà. Et puis Bazuélé encore, circonscription de Bambesa, Aminata Namasia Bazengo, parti AB, va obtenir, on s'en passe. Bazuélé toujours, Bondo, circonscription de Bondo, Zuma Anibier Marcel, parti AA Barcé, et puis la circonscription toujours Bazuélé, circonscription de Bouta, Tepage, Tedende, Floribert, il est de A24. Puis Boutaville, Aguito Améla Carole, AASC. Et enfin pour la province de Bazuélé, la circonscription de Poco, Inipaivudu, Mbolishi Lisiko. Non, non, ça c'est un nom compliqué, je vais le répéter. C'est toute une phrase. Inipaivudu Mbolihilisiko Claude de AASC. Claude. Ok. On passe à l'équateur. Circonscription de Bassankoussou. Ici il y a deux places de sièges. Ekilali Kombo Marc de AFDCA et Lokumu Essemoti Joséphine Pacifique de FPAI. La circonscription de Bikoro, Mpembi Isomi Bazego Marie-Thérèse, AFDCA, Boulou Bobutu Christophe, AACRD. Bolomba, circonscription de Bolomba, Lopose Motigea Peter, APA bar MLC, suivi de Ohono Nzobo Papi A24. Circonscription de Ingende, Koi Apango Tonton, AN. Toujours Équateur, circonscription de Lokelela, Lokolela, Iwondo Ilonga Albert du MLC. Et enfin, Mbandakaville, Baende Etafe Eliko Jean-Claude de Dipro, suivi de Iolo Banyafia Désiré du MLC. Ok, merci. Province Okatanga, circonscription électorale de Tambove. Mbamoto Kiala Mathieu.
A-Barbe-50, Lumbu-Milindi-Michel, Idepes-Tshisekedi, Kachoba-Kabonchi-Denis, ensemble. Okatanga, circonscription électorale de Kasenga, Mpundu-Lundera-Micheline, ensemble. Samalukonde Kieng et Jean-Michel. Abe. Okatanga, circonscription électorale de Kipushi. Mokasakalemwe Kalisik, apparemment. Hein. C'est un nom compliqué là. Kalis. Ensemble. Kabea Mbonda John AABG. Mounana Aziza Nathalie A24. Okatanga toujours, circonscription électorale de l'ICA-Civil. Yavna Nawez John, ensemble. Chanda Kalingai Dan. 4AC. Mbia Lubuya Titi. IDPS Tshisekedi. Okatanga, circonscription électorale de Lubumbashi-Ville. Molenda Ebondo Jean Dédier, IDPS Tshisekedi. Kalamba Ngindo Jean-Louis, 2A bar de TDC. Mukaya Kazadi Richard, IDPS Tshisekedi. Mwamba Mukenge Emile, AN. Motita Kalunga Clotilde, ensemble. Kunda Buyamba Annie, AUN. Malandi Swana, A24. Kitungwa Lugoma Juvenal, 4AC. Moyombi Chimbu Yetro, AV. Moloko Kamwanga Donatien, AABG. Tizianga Kapumba Cédric, A-UNC. Molimbi Kasongo Gelo, APCF. Ingwabi Mushengezi Oli, AFDCA. Masangu Bibi Muloko Mirei Abe. Okatanga toujours. Circonscription de Mitwaba. Mpanga wa Lukalaba Jean-Jacques AUN. Okatanga, circonscription électorale de Pweto. Katumba Mulumbwe Augustin, ensemble. Kate Bengo et Michel Avançon, MS. Okatanga, circonscription électorale de Sakania. Chiswaka Chilombo Isaac, IDPS Tshisekedi. Chembo Konde Serge, AB. Kankonde Mpachu. Mpatu, je pense, Guy Seta, ensemble. Excellence, monsieur le deuxième vice-président de la CENI. Merci beaucoup de la parole. Je vais rendre public les résultats de la province du Olomami. Et je commence par la circonscription de Bukama, il y a 4 sièges. Makonga Kabila Emmanuel, de l'UDPS Tshisekedi. Kitwa Godalena Ida, AUN. Banza Maloba Dani, AB. Ngoi Kasole Maloba Alexis, de AFDCA. Toujours Olomami, circonscription électorale de Kabongo, il y a 3 sièges. Moussaou Kalombo Mbuyu Célestin, de Avançon MS. Kapian Tumba Augustin, de AFDCA. Ndalambayo Guilin, de AUN.
Olomami toujours, circonscription de Kamina, un siège. Banzamouloume Marmont de AB. Toujours Olomami, circonscription de Kamina Ville, un siège. Lengue Massangoumpoyo, Marcel, de AMSC. Toujours Olomami, circonscription de Kanyama, deux sièges. Yamba Kazadi Gracia, de ANB. Ilunga Léou Marcel, de 2A bar TDC. Olomami toujours, circonscription de Malembankoulou, quatre sièges. Kabamba Waumba Isabelle, de AAAP. Polipoli Lunda Chimène, de AFDCA. Yumba Mwanabute Samuel, de AB. Longo Wabanza Didier, de AUN. Voilà. Province du Haut-Touélé, circonscription électorale de Dungu, Samaki Anindoutini Norbert, ANB, Haut-Touélé, Faradje, candidat Atamatabe Mogondi Crispin, ensemble. Deux, Andrito Alendo Etienne, AAUNC. Circonscription électorale de Issirouville. Bakomito Ngambou-Jean, parti AAUNC. Circonscription électorale de Niangara. Kézamundrou Moussissiri Jean-Pierre, AAUNC. Circonscription électorale de Rungu. Bagakia Anganze Okodaregwa Joseph. Je vais reprendre, excusez-moi. Bangakia Angazi Okondarengwa Joseph, AAUNC. Circonscription de Wamba. Il y a trois sièges. Un Lite Asebea André. A1, 2, Inagosi Boulo Imbambi Geneviève, A24, 3, Bakabi Aboussa Emmanuel, AE. Circonscription de Ouata, il y a deux sièges. Abotome Bekabissia Roger, AAUNC. De Mambidi Koloboro Jean-Marc, A3A. Ok, Ituri, je vous avertis que les noms ici ne me sont pas très familiers. Mais on va se débrouiller. On commence avec la circonscription de Haru, c'est à Ituri. Il y a six sièges. Un, Akissou Adjoulé Raymond, de l'UDPS Tshisekedi. Amoule Arakayo Kizito, AFDCA. Draza Atule Jean-Claude, de AACPG. Quatre, Bagno Debo Daniel, AAEC. 5, Kachinde Avojoa Mene, A1. Et 6, Adjo Judy, de A-Barbe 50.
Circonscription de Bougnaville, 2 sièges, 1. Kakule, Kaliomo, Deogras, de Abarbe 50. Irakan, Ounen, Gracien, de Saint-Nicolas, Ensemble. Circonscription de Djougou, 7 sièges. Mateso, Savo, Jospin, A2R. Ngabu, Tunde, Jean-Paul, AAAP. Ndjabu, Ngabu, Floribert, Abara, UNC. Deda, Tikpa, François, Code. Uyewa, Chuyai, Hai, Daniel, A, Barbe 50. Yaruhanga, Utike, Moïse, AFDCA. Njaza, Linde, Jean-Marie, Vianney, AACPG. Circonscription de Irumu, 3 sièges. Bungisha Baku, Kato Robert, AACPG. Babangu, Wababu, Paul, Abarbe 50. Kakule, Muke, Vagumawa, Fidel, AMSC. Ituri, Mahagi, 7 sièges. Agenonga Robert, 4 AC. Uvoya, Unenkan, Jean-François. Non, je répète. Uvoya, Unenkan, Jean-Faustin, AFDCA. Adubango, Awato, Samuel, AACPG. Berokan, Keraure, Nono. A Barcé, 5. Furaha, Uma Daniel, A Abara, INC. Numéro 6, Mungu, Jakissa, François, A2R. Et 7, Moubert, Jaouli, Jean-Paul, Abarbe 50. Enfin, Mambasa, 3 sièges. Kambale Ezekiel Barnabas A1, 2 Abdallah Penembaka Jefferson, Abar AIMC, 3 Chichombo Nihali Saidi UDP Tshisekedi. Province de Kassai, Excellence, Monsieur le premier vice-président, province de Kassai. Ok, merci. Province du Kassai, circonscription électorale de BGC, Bokele Djema Adrien, Aba AUNC. Province du Kassai, circonscription électorale de Ilebo, Kamanda Tioni Espérant, 2 Aba de TDC. Ndambo Manjanjou Fortuna UDPS Tshisekedi. Province du Kassai, circonscription électorale de Luebo. Tombe Olivier AAAP. Mumbikai Mubalama T. Léon UDPS Tshisekedi. Province du Kassai, circonscription électorale de Mweka, Chanza Mikobi Pacho, A.A. Barcé, Boucha Boubope Antoine de Pessisekedi, Mbelenge Kwete, Chamouk Constantin, A.E. Province du Kassai, circonscription électorale de Tshikapa, Timanga Bouana Jean-Pierre, AACPG, Kazadi Mwayila Théodore, AA Barcé, Mafuta Kabongogi,
2A/TDC, Moulambamputu Simon A3A, Banza Mundongo Grégoire IDPS Tshisekedi, Memba Kalumba Diallo MLC, Mbaya Kandundi Jean AAC Barbalou, Wagner Tienda Tienda, je crois que c'est ça, j'espère que je n'ai pas massacré son nom. Richard 4AC. Donc je répète pour le numéro 8, c'est Wagner Tienda Tienda Richard. Voilà, des 4AC. Province du Kasaï, circonscription électorale de Tikapa Ville, Mouchongo Machar André, 2A/TDC, Luka Dimulumba Serge Junior, UDPS Tshisekedi. Merci. Province du Conseil Kasaï Central, Excellence Monsieur le deuxième vice-président. Kasaï Central, circonscription de Demba, 3 sièges. Moulumba Pandangila Thierry de A/B50, Kalombo Chikenkerombo de A3A, Kabea Sombanyama Olivier de 2A/TDC. Kasaï Central, circonscription de Dibaya, 2 sièges. Chitoko Kapanda Aldos Ali de A/VK2018, Moulamba Mande Jerry de A3A. Kasaï Central, circonscription de Dibelenge, Mbata Betukumesu Mangu André, de UDPS Tshisekedi, Ngandu Kayembe Valentin, de A3A, Mashimba Mashimba Pascal, de AFDCA, Kananga Ville, 4 sièges, Kabea Chikai John, de UDPS Tshisekedi, Chipepele Ntumba Marcel, de A/AIMC, Kabasele Divwanda Donald, de 4AC, Mukendi Kalemba Christian, de ATUA, Kasaï Central, circonscription de Kazumba, 4 sièges, Balekelaï Bea Donatien, de A/B50, Ntenda Ntenda Martin, de A/AIMC, Nsadi Chilumba Ipol, de 2A/TDC, Nkendambui Kasuika Emmanuel Noël, de UDPS Tshisekedi. Kasaï Central, circonscription de Louisa, 4 sièges. Kabanda Matanda Boniface, de 2A/TDC. Chilumbai Moussaou Isaac Jean-Claude, de UDPS Tshisekedi. Kamonji Naserwa Sabangu Ida, de APCF. Muntuoma Jérôme, de AFDCA. Je finis. Conseil oriental, Excellence Madame le rapporteur. Province Kasaï Oriental, circonscription électorale Kabea Kamwanga. Deux sièges. Mundela Kanku Edi de AAEC, Kapinga Mulumba Clotilde de UDPS Tshisekedi. Circonscription électorale de Katanda, un siège. Sendula Kazadi Olivier de AA/BC. Circonscription électorale de Lupatapata, un siège. Boukassa Ntumba Etienne de A24. Circonscription électorale de Mbujimaï-Ville, il y a 6 sièges. Un Kabena Mwaka Adel de AADCA. Deux Maweja Muteba Jean de UDPS Tshisekedi. 3. Ngoï Kassanji Alphonse. 3. AFDCA. 4. Kongolo Kayumbi Tobi. 4. De 2ATDC. 5. Moudiaï Ngoï Christian. 5. De 4AC. 6.
Ngandou Ndala Florent de AABG. Circonscription électorale de Miab, 2 sièges. Kazadi Kadimanzouji, Nicolas Serge, de UDPS Tshisekedi, 2. Kassanda Kadjessa Serkas, de 4 AC. Circonscription électorale de Tshilenge, 2 sièges. Kabombo Mwadiamvita Guy, de UDPS Tshisekedi. Mukendi Fonti Kaninda, Serge, de A24. Merci. Province de Kinshasa, Monsieur le Président. Kinshasa. Province de Kinshasa, Kinshasa Funa. Il y a 12 sièges à pouvoir. 1. Yeli Molangi Edi, MLC. Mouyaya Katembwe Patrick, ANB. Amissi Makutano Adolphe, UDPS Tshisekedi. Lukulasi Masamba Jean-Marie, AACPG. Vwanga Mukongo Christel, Ensemble. Kaziteriko Kenda Faustin, Abar AUNC, Dikala Majed Lubazadio Géry, 2 Abar TDC, Ndia Malibalidi AB, Osango Senga Lambert, 4 AC, Karomon Kilala Pepito, ACP Bar A, 11 Poika Dimagode, Abar B50, 12 Zinga Landu Moyas Nixon Atua. Circonscription de Lukunga, 14 sièges à pouvoir. 1. Mwabakaza Ditoni, UDPS Tshisekedi. Bemba Kabuya Samuel, AACRD. Samba Kalambai Antoinette, UDPS Tshisekedi. Bumba Lukaku Lubaki Daniel, UDPS Tshisekedi. Tambwe Mposhi Sharma Eliezer, 4 AC. Bandubola Mbongo Akasia, 2 Abar TDC. Katasi Kiala Kennedy, Abar B50. Mole Kansolo Wivin, AB. Mboui Kalonji Jean-Marie, ANB. Bimwa Laron Roger Etienne, A24. Sangana Bilong da Clémence, A3A. Bahati Baseme Emmanuel, AFDCA. Kassanda Katwala Olivier, AMSC. Efambe Ekamba John, MLC. Kishasa Mohamba, 11 sièges à pouvoir. 1. Kajadi Kankon de Pita, 4 AC. Kabuya Chilumba Augustin, UDPS Tshisekedi. Kibuka Kiakese Raphaël, MLC. Mayo Mambeke Jean Baudouin, Abar AUNC. Kenda Cha Mukambu Benjamin, AVCA. Mabilou Mbayu Mukala Pius, AACPG. Eyanga Mboyo Venance, AABG. Mbikai Mabuluki Steve, AAAP. Madia Mwamba Dorothée, AB. Ilanga Bakonga Regen, Rigen, ANB. Moulanga Ntumba Liliane, 2 ATDC. Changu. Gardez votre calme et de suivre attentivement
la publication des résultats, s'il vous plaît. Merci. La publication des résultats. À Tchangou, il y a 19 sièges. 1. Chilumbu, Kantola, Paul, IDP, Tshisekedi. Motanga Lima, Léonard, A.A. Barcé. Chibalabala, Mukunai, Francis, IDP, Tshisekedi. Chilombo, Kabwenda, Doli, IDP, Tshisekedi. Bialosuka, Wata, Jonathan, A.B. Eshiba, Kasemwana, Patrick, A.A. CPG. Ngoi, Mvuzi, Jean, A.C.P.A. Kalonji, Kalonji, Ogi, 4AC. Bidwaya, Sephora, Astrid, 2A, bar TDC. Kangila, Kawela, Prince, AAC, bar Palou. Kilubu, Kutuna, Séraphine, A, bar B50. Moutinga, Kiet, Marie, ANB. Itina, Mayamba, Hermès, AVCA. Mboma, Kumeza, Gaborian, Abar, AUNC. Mushi, Yaya, Yalake, Frida, AAAP. Nganini, Atabukatuba, Pakis, AABG. Mona, Mbumu, Richard, AAEC. 18, Chakasaka, Tete Benoît, AAD, bar A. Et 19, Ntabala, Rwakuba, Antoine, AFDCA. Congo Central, Bomaville, 2 sièges, 1. Longo, Longo, Nicholson, fils, IDP, Tshisekedi. Nyongo, Swami, Marie-José, AAAP. Kasangulu, Budimbu, Ntumbwanga, Didier, AVCA. Mokoko, Sinamwidi, Didier, Anissé, AV. Kimvula, un siège. Futi, Kiaku, Jean-Simon, IDP, Tshisekedi. Lukula, deux sièges. Tundu, Tundu, Jonas, Abar AUNC. Matoko, Lemba, Donatien, UDP, Tshisekedi. Luozi, un siège. Nguadianza, Bayokisa, Kisil, Kisula, Nerfetiti, AAAP. Madimba, deux sièges. Lukoki, Nsimba, Mikael, AABG. Matutula, Mukanda, Georges, AB. Matadiville, Ndouzi, Umba, Percy, UDP, Tshisekedi. Bandu, Ndungidi, Gui, AABAR, UNC. Ndouzi, Kassa, Amzi, AVCA. Mbanzangungu, 4 sièges. Mukoko Samba Daniel, AUN. Sumbu Mutu Kalavo Pierre, AV. Ndosiba Mvanzi Sébastien, UDP Tshisekedi. Mbuku Balele Pepe, AFDCA. Mwanda, 2 sièges. Nyondo Toko Robert, AAAP. Matumpa Buka Marcel, AFDCA. Sekebanza, un siège. Samba Nsitu Edouard, Abar AUNC. Songololo, deux sièges. Matomina Nsuela Zola, AVCA. Wameso Nkwaloloki André, UDP Tshisekedi. Enfin, Tchela, deux sièges. Nkongo, Banvangila, Didier, Code. Mbadu, Panzu, Crispin, AB.
Monsieur le Premier vice-président. Province de Kwangu, pêche, de siège, Bouka, Zansia Fiston, AAC Bafalou, le Kama Tankou, le Colette, il est pêche, Tshisekedi, Kaemba, un siège, Bindou, Sangata, Victor, Nouvel Élan, je pense, c'est ça. Kasongolunda, 4 sièges. Kulungu, Doug, 4 AC. Mapamboli, Posa, Flori, Idepes, Tshisekedi. Mambulaou, Mbemba, Kadé. AA, CRD. Moulenga, Upala, AFDCA. Kenge, Mbosoko Diapuanga Christophe, Kitebi, Kiabol Vul Patrice, je répète, Mbosoko Diapuanga Christophe, c'est AACRD. Kitebi, Kimbol Vul Patrice, c'est ABAAUMC, Mavundila Congo Romain. A25, Mambou Mbassa Yannick ACPA, Kengeville, un siège, Ndefou Swantongi Jean-Baptiste, de ATUA, Popo Kabaka, un siège, Passisapamba Bouka Jean-Pierre, AB. Merci. Province du Kwilu, son excellence, monsieur le deuxième vice-président de la Sénat. Province du Kwilu, circonscription de Bagata. Trois sièges. Mangai Mungunga Patrick de AACPG. Sakata Moke Tawab Gari de ANB. Ngila Moke Laurent de AAAP. Province du Kwilu, circonscription de Bandunduville. Deux sièges. Kinzambi Ngoul Eric de UDPS Tshisekedi. Bwanganga Tawaba Jean-Claude de ATUA. Province du Kwilu, circonscription de Boulungu. Cinq sièges. Eyumu Nassa Célestin de ACPA. Lukiana Mufankolo Dialoukoupa Marie-Ange de AE. Kolongele Eberande Désiré Casimir de UDPS Tshisekedi. Bitini Talabaou Donatien de AAC Bar Palou. Munganga Gadimba Cléophas de 2A Bar TDC. Kwilu, circonscription de Gungu, 4 sièges. Fumumapanda Malamba Zéphirin de Nouvel Élan. Fumani Gimbandi Rombo de AAC. Makiashi Willy de AAC Palou. Kimasa Diamona Wolf Christian de AFDCA. Toujours province du Kwilu, circonscription d'Idiofa. 6 sièges. Inyoki L'Enfel Sacré de AB. Mupasa Lokobo Dede de A24. Minengu Mayulu Jean de Dieu de UDPS Tshisekedi. Mbukula Kaboris de Ensemble. Yaman Zalabar Joli de AACPG. Mouzaza Owan Ngapio Thierry de AAC Palou. Kwilu, circonscription de Kikwitville. 3 sièges. Muzito Fumuchi Adolphe de Nouvel Élan. Kidima Nzumba Ida de ANB. Makongo Kangantima Serge de AAC Palou. J'ai fini. Excellence, madame le rapporteur. Province de Lomami, circonscription électorale de Kabinda. 3 sièges.
Kabemba Kabwele Wayulu André, de AACPG, Ilunganumbi Nathan, de 2ATDC, Lumanu Mulenda Buanasefu, de ACPA. Circonscription de Kabinda Ville, un siège. Lumanu Tipaka Michoni Véronique, de ACPA. Circonscription de Kamiji, un siège. Chimenga Mutombo John, de A3A. Circonscription de Lubao, trois sièges. Ponti Kibambe Dieudonné, de ACPA. Mutamba Kungunga Constant, de Dipo. Masanga Kapenga Gustave, de AABG. Circonscription de Lilou Mweneditu, quatre sièges. Kabei Dial Bertos, de UDPS Tshisekedi. Mbaya Kabwe Wamwadi Joseph, de 4AC. Tibang Tam Denis, de AB. Kabinda Mutonji Fideli, de AV. Circonscription de Mweneditouville, un siège. Tipama Lunganga Chama Martin, AACRD. Circonscription de Ngandajika, trois sièges. Mulumba Kanza Augustin, de ATIA. Miteo Nyenge Bruno, de UDPS Tshisekedi. Mulumba Mudiandambu Edouard, de 4AC. Province du Lualaba, madame la rapporteure. Province du Lualaba, circonscription de Dilolo, deux sièges. Mouyeye Lutongo Trésor, de AV. Andila Kapenda Charles, de Ensemble. Circonscription de Kapanga, un siège. Base à Bang Edmond, Avançons MS. Circonscription de Kolwezi-Ville, trois sièges. Masuka Saini Fifi, de A24. Sime Njinga Charlotte, de Ensemble. Kasea Tingambo Jean-Marie, de A25. Circonscription de Luboudi, trois sièges. AG Matembo Toto AG Moïse, de AUN. Munongo Inamizi Dominique, de Ensemble. Kapia Makumbo Alain, de A24. Circonscription de Muchacha, trois sièges. Kantenga Kapenda Alain, de AACPG. Kaumba Mayonde Philippe, de A24. Mufuka Samba Elise, de A25. Circonscription de Sandoa, un siège. Makong Kayong Mac, de Ensemble. Province de Maïndombe. Maniema. Ah, ok. C'est Maïndombe d'abord. Maïndombe, circonscription de Bolobo, un siège. Etibako Edi
Dito Filbert Brel, AFDCA. Inongo, deux sièges. Wampeti et Poka Gaspar, AAAP. Sele Mimpa Onege, A Barbe 50. Inongo Ville, Mongo Lokonda, Aimé Pascal, AAEC. Circonscription de Kiri, un siège. Bamboka Lombedi Pierre Castro, AAAP. Circonscription de Koutou, trois sièges. Ilanga Pole Mami, AA Barse. Dacio Mokfe Tali, AFDCA. Ibouli Eboula Venance, AAAP. Circonscription de Mouchi. Bonzeke Iliki Freddy, ACPA. Circonscription de Oshwe, un siège. Bompini Balinga Michel, UDPS Tshisekedi. Et enfin, circonscription de Yumbi, un siège. Bamani Mobeli Severin, UDPS Tshisekedi. Province de Maniema, circonscription de Kabambare, deux sièges. Amissi Kalonda Jean, AFDCA. Toutou Salomou Pascal, AB. Circonscription de Kailo. Amissi Lupia Patrick, AACRD. Circonscription de Kasongo, trois sièges, un. Toumba Manara Marie, AACRD. 2. Kalumba Mwanangongo Justin, AACPG. Et 3. Soudi Amin Zimamoto, UDPS Tshisekedi. Circonscription de Kimbombo, un siège. Tunda Kasongo Lukali Prosper, AACRD. Circonscription de Kindouville, Matata Ponyo Mapon, LGD. Circonscription de Lubutu, Musongela Yvonne Aurélie, AAD Barra. Circonscription de Pangui, deux postes, deux sièges. Moussa Kabouakoubi Moïse, AACPG. 2. Kalumba Yuma Jean-Marie, AAAP. Pounia, circonscription de Pounia, un siège à pouvoir. Bokondou Moukouli Georges, UDPS Tshisekedi. Vous avez gardé le silence jusqu'à la fin de l'énumération. Merci. Province de Mongala, monsieur le premier vice-président. Province de la Mongala, circonscription électorale de Bongandanga, trois sièges, beaucoup moins à Maposo Élysée, FPAU, Mathilde et Sanda Célestin, MLC, Bonkundao Angembe Fiston, AM. Bumba, quatre sièges. Liaou Ebouaka Lokola Jean Pierre, UDPS Tshisekedi, Mangbao Mongungu Rifin, AA Barse. En tout cas, il y a un problème de nom ici. Njundu Malengo Crispin, MLC. Andoulou Enzongo Vincent, Code. Lissala. Lembi Liboula Joseph, MLC. Mangonza
Bayeke les bienvenus, FPAU, et Mbanda Mananga José, AUN. Les Salaville, Sakombi Molendo Aimé, Abar à UNC. Province du Nord Kivu. Province du Nord Kivu. Circonscription électorale de Beni. Oui, siège Saïdi Balikwisha Emile AAD. Nzanzo Kasivita Charlie. Abar B50, Kambale, Moussavouli, Idepes Tisekedi, Mumbere, Mat, Jules, A1, Kombi, Pendani Bosco, AMSC, Baliensima, Kadukima Albert, AB, Enoch Bachoti Nyamusi Ave, Kambale Tavulenga Degal AADA, Beniville, deux sièges, Kabwenge Arsène Ave, Atsungia Kiyaya Elvis A Barbe 50, Boutemboville, quatre sièges, Mumbere Mukweso, AAD, A, Tavira, Katasoire, Janine, Abar B50, Mboussa Nyamwisi Antipas, AMSC, Mbindule Mitono Crispin Idepes Tshisekedi. Gomaville, Moïdo Zangi Boutondo AADA, Mouniongo Basile Wango Patrick AFDC A, Furunguta Mukasa Iber A Bar A UNC, Mumbere Buanampua Eric A Bar B50. Lubero, Paluku Kaungia Julien, A Bar B50, Moindo Simisi Obedi, AB, Kavira Mapesa Jeannette Code, Mombi Tachungo, AN, Tanefu Moindo Mungiwa Jean-Pierre, AACRD, Mboussa Machonzi Joseph, AMSC, Katembo Kambere Tade, AAAP, Bakaturaki Kavusa Semei, AADA, Paluku Siwako Makuke Kapako, Abar B50. Nirangongo, Bessiège, Banzizane, Maese Adel, Idepes Tshisekedi, Mouirwa Mutumai David, Abar AUNC, Walikale, trois sièges, Moto Mouima Michel A Bar A UNC, Mokindo Mouima Rubin, UDPS Tshisekedi, Mukulumania, Mubunge Mania, A Bar B50. Merci. Province du Nord-Ubangi, Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président. Nord-Ubangi, circonscription de Bosobolo, deux sièges. Oshobale Oyozu Oscar de Code. Geakoro Ndambomale Théophile de UDPS Tshisekedi. Nord-Ubangi, circonscription de Businga, trois sièges.
Kotongo Anfio Bato Jean Bosco, de 2A TDC. Balimo Mbendwa Simon, de AAC. Gendeza Ezunga Vincent de Paul, de MLC. Norubangi, circonscription de Badoliteville, un siège. Dongo Yemo Mobutu Yemo Mobutu, de MLC. Je finis. C'est toujours moi. Sankuru, circonscription de Katako Kombe, trois sièges. Lutundula Apala Pen Apala Christophe, de AB. Ohaki Andio Aine Gustave, de AAUNC. Tokongo Tokoko Antoine, de AAAP. Sankuru, circonscription de Kole, un siège. Ilunga Wailunga Francis, de AAAP. Sankuru, circonscription de Lodja, quatre sièges. Mende Omalanga Lambert, de AE. Ompeta Shonda Emmanuel, de AB. Aselo Okito Wakoi Daniel, de UDPS Tshisekedi. Ulungu Ekunda Lukata Berthold, de AFDCA. Sankuru, circonscription de Lomela, un siège. Ekumbaki Ombata Jean-Albert. Circonscription dont ils ont Sankuru, circonscription de Lubefu, un siège. Djongamba Djandi Hippolyte. Toujours Sankuru, circonscription de Lumumba Ville. Chez Okitundu Lundula Léonard, de AAEC. Sankuru, circonscription de Lusambo, un siège. Sase Mwetutuikale Dieudonné, de Code. Toujours Sankuru, circonscription de Lusamboville. Nkoso Lokakao Bernard, de AAAP. J'ai fini. Essence, madame le rapporteur. Province du Sud Kivu, circonscription électorale de Bukavuville. Cinq sièges. Kamere Lwakaningini Vital, AAUNC. Salumu Witakenge Patrick, UDPS Tshisekedi. Namazi Anna Bachoke Patrick, AN. Bahati Lukwebo Modeste, AFDCA. Mudekereza Namegabe Olive, AAP. Circonscription électorale de Fizi, quatre sièges. Niewa Elekano Jean-Jacques, 2ATDC. Chakubuta Mfaume TH, AAP. Basoshi Iumbwe Théophile, AAUNC. Nyamagiko Ishibwela Obedi, AFDCA. Circonscription électorale de Idjui, deux sièges. Miruo Akili Prosper, AFDCA. Wabije Kasi Teo, UDPS Tshisekedi. Circonscription électorale de Kabare, quatre sièges. Bahati Maingede Serge, AFDCA.
Baleke Mugabo Jean, UDPS Tshisekedi. Bissimoa Batadi Frédéric, AA UNC. Doucy Kembe Claudine, AEDCA. Circonscription de Calais, 4 sièges. Baniwe Sizé Mukuza Muhini Vital, AFDCA. Kitumaini Debirira Didier, ATAU. Mirindi Bacheka Namouchie Jean-Pierre, 2ATDC. Databaye Kajibwami Amede, AVK 2018. Circonscription de Mwenga, 3 sièges. Lutala Mutiki Trésor, UDPS Kibasa A. Chirulwire I. Bulala Basengezi Richard, AN. Kubaka Kalimba Eloi, UDPS Tshisekedi. Circonscription électorale de Chabunda, 2 sièges. Soumaïli Miseka Emily, AAUNC. Wenda Mukangwa Placide, AFDCA. Circonscription électorale de Uvira, 4 sièges. Bitakwira Biona Aï Justin, FPAU. Misare Mungoberwa Claude, AAUNC. Amini Kabaka Chemu, 2A TDC. Espoir Kamanda Delphin, UDPS Tshisekedi. Circonscription électorale de Walungu, 4 sièges. Kaasha Murula Albert, AAAP. Kokola Twali Katitima Prince, AN. Boji Sangara Bani. Boji Sangara Bani Rwe Aimé, AAUNC. Kamunani Kalazo Deogra. Kamunani Kalazo Deokar, AVK 2018. Merci. Merci. Province du Sud de Bangui. Circonscription électorale de Guémena. Il y a 5 postes à pouvoir. 1. Sekbewi Zamo Jacques, ACPA. Sangouma Temongonde Mosai, AB. 3. Andaka Gbadani Jeff, A24. 4. Twana Wibina Evariste Code. 5. Lenga Walenga Penze Alexis MLC. Guémenaville, 1 siège. Bemba Wale Caroline MLC. Circonscription de Kungu, 4 sièges. Ndengo Bapalembi Ernest, Abar AUNC. 2. Mangai Bosaba Pascal, AACPG. 3. Mbusa Ndole Yalele Guilin, IDPS Tshisekedi. 4.
Aimé La Moninga, Aimé Jean-Maurice, MLC. Circonscription de Libengue. Deux sièges. Un. Joko Bale Kongolo Abdon, MLC. Deux. Koloba Ndenge Robert, AFDC. A. Enfin, Zongoville, un siège. Bedi Mongai Benjamin, MLC. Circonscription électorale de Kabalo, un siège. Kaku de Yumba Sophie, 4 AC. Circonscription électorale de Kalemi, 2 sièges. Banza Lunda John, 2 A Bar TDC. Swedi Kanyanduru Richard, Dupro. Kalemi Ville, 2 sièges. Kabongwa Kabongo Boniface Ensemble. Kitungwa Muteba Christian AB. Kongolo, 3 sièges. Kasongo Salamu Daniel II. ANB. Mufalame Tambwe Sokoro AB. Isimba Mwizia Toussaint AABG. Manono, 2 sièges. Wangoi Mukalai, Marie-Thérèse, Avançon MS. Ilunga Yolola de Ogracias, 4 AC. Moba, 3 sièges. Mwando Simba Kabulo Christian, Ensemble. Kalinde Kavimbwa Jean, AFDC A. Kaposo Kintu Dominique ANB. News, un siège. Mukundi Niembo Kaumba Emmanuel, Avançon MS. Merci. Province de la Tchopo, Excellence Monsieur le Vice-président. Tchopo, circonscription de Bafouassende, un siège. Bendesana Nzama Justin de UDPS Tshisekedi. Tchopo, circonscription de Banalia. Alou Hassani Kabina Alphonse de 2A TDC. Tchopo, circonscription de Basoko. Moleko Moliwa Anastasie de AFDCA. Bazaïba Massoudi Eve de MLC. Tchopo, circonscription de Isangi. Maembo Gelingi Paulin de MLC. Limengo Ikolonga Trésor de UDPS Tshisekedi. Kitoko Lisombo Etienne de AFDCA. Tchopo, Kisangani Ville, 6 sièges. Mangala Sakilikili Fontaine de AACPG. Maoa Akombea Jean-Pierre de AB50. Lotika Likwela Théovel de AFDCA. Yangotikala Senga Ladi de AADA. Matata Makalamba Patrick de UDPS Tshisekedi. Bolila Lola Gachina Devo de AAUN. Tchopo, circonscription de Opala, un siège. Ichwama Litoka Maeli Élysée de AFDCA. Tchopo, circonscription de Ubundu, 2 sièges. Masanga Kisigai Etienne de AAUNC. Kolongo Darwezi Eli de ANB. Tchopo, circonscription de Yauma, un siège. Ngondankoi Nkoi Ea Longia Paul Gaspard de AB. Merci. Enfin, je crois que c'est la Tchopa. Excellence, Monsieur le Président.
créé province de Tchouapa, circonscription électorale de Befale, un siège, Botouli Yekia Zakari, de A24. Circonscription de Boende, un siège. Joli Essengekeli Jacques, AND. Boende Ville. Bosekota Mbana Félix, UDPS Tshisekedi. Bokungu, deux sièges. 1. Loando Mboyogi, AND. 2. Lokoka Isaka François, UDPS Tshisekedi. Njolu, un siège. Lotana Lokasola Albert de AAUNC. Ikela, deux sièges. Eteni Longondo Longondo, UDPS Tshisekedi. Lilongo Bochili Jean-Lori, A24. Enfin, Monkoto, un siège. Engelemba Bokoué Célestin, UDPS Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la CENI, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres de la CENI, ici prend donc fin la cérémonie de publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Je vous prie de vous présenter pour la photo de famille et immortaliser cette cérémonie. Ben voilà, ainsi prend fin la cérémonie des proclamations provisoires des 477 députés. C'est là qu'ils vont composer la prochaine Assemblée nationale pour les 5 années à venir. Edith Chala, beaucoup de surprises dans ce que nous venons de suivre. Beaucoup de surprises, mais aussi des têtes couronnées sont restées, quelques-unes en tout cas, on les a tous cités, Vital Kamere, Bahati Lukwebo, F. Bazaïba, l'homme au Balamate, ils sont nombreux. Et puis, par contre, la meilleure élue de la République, Carole Aguito. Aguito, oui, voilà, donc des têtes couronnées qui ont donc une expérience à transmettre aux jeunes qui vont venir, les jeunes en tout cas. Il y en a beaucoup, mais les nouveaux aussi. Il y a Kiet Mutinga, qui était député provincial, élu de l'Ancelé, qui est maintenant député national, élu de la Tchangou. Elle a certainement travaillé en faisant plusieurs choses. De ce côté-là de la Tchangou, en tout cas, il y a plusieurs nouvelles figures à l'Assemblée nationale. Je crois que peut-être, les ciels nous aura entendus pour que nous ayons cette fois-ci un débat assez... élevé, ouais, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous le croyons. Quand on regarde les têtes couronnées qui sont passées, Vital Kamerhe lui-même, dont la présidence... Et on disait Mosokodi également qui revient. Mosokodi Apwanga qui est là. C'est donc une bonne transition entre générations. Mosokodi Apwanga, actuel président de l'Assemblée nationale. Ouais. Bahati Lukwebo, président du Sénat, ouais, qui va cette fois à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il sera tenté de repartir au Sénat quand le moment sera venu. En tout cas, les tensions sont redescendues. Mais également, il faudrait retenir le candidat président de la République qui devient le député. Ah oui, Constant, voilà. Moutamba, Adolphe Mozito, ils sont à peu près Jean-Claude Baende. Voilà, donc c'est dire qu'ils étaient allés à la présidence de la République, mais avec une certaine base arrière. Mm-hmm. Si jamais on n'est pas élu président de la République, on peut être élu député national. Sam Moutamba l'a réussi. Jean-Claude Baende également, Adolphe Mozito et Matata Ponyo, ouais, en tout cas ils vont aller à l'Assemblée nationale. C'est dire qu'à l'Assemblée nationale nous pourrons avoir
plusieurs expériences à partager, deux anciens premiers ministres. Ben, on va voir comme c'est donc, levé. Voilà. On entend également Cheo Kitundu également qui revient à l'Assemblée voilà, nationale. C'est encore une sagesse qui oui. va être mise Mendo à contribution. Malanga aussi. Mendo Malanga, Christophe Lutundu là ouais. est réélu. Et donc, ce sera une Assemblée nationale, en tout cas, avec une certaine crème politique de la République démocratique du Congo, mais avec beaucoup de jeunes qui arrivent. On n'a pas encore le temps de les connaître tous. On n'a pas eu à faire vraiment un très bon calcul pour savoir quel est le parti qui a fait... beaucoup de titres non, à l'Assemblée mais déjà, nationale. Mais, non, mais déjà, quand tu APCA, regardes... Quand tu regardes déjà... Quand tu regardes déjà par rapport à ceux qui ont atteint le seuil, il y a l'union sacrée, oui, c'est taillé la part du gâteau. Une part essentielle. Et je crois qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés pour identifier la majorité. Mais en tout cas, ce sera effectivement un gouvernement de coalition. Il y a aussi le deuxième vice-président. Disons qu'au Sénat, oui. le président est élu député. Le premier vice-président est élu député. Deuxième vice-président élu député, donc Eddie Kanko. Eddie Moundela qui est député. Eddie Moundela Kanko. Mais également quelque chose. Moussaï. Carole Aguito. Ida. Non, non, on ne va pas oublier le ministre de la Communication, mais Patrick Mouyaya. Ah oui, voilà. Qui revient à l'Assemblée avec Aimé Moulin de Sakombi. Mais également, quelque chose d'intéressant ici, c'est les Nembalemba. Tous les Nembalemba partent de l'Assemblée nationale. Ils sont en cours. Mais sur les partis qui reviennent. En tout cas, les partis reviennent. Bon, on verra. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que des citoyens de la République démocratique du Congo travaillent pour que nous ayons des lois. En tout cas, les bonnes, celles qui doivent aider la République à se sortir du marasme dans lequel il était plongé depuis plusieurs années. Et les efforts qui sont mis ensemble pour avancer, aller de l'avant, que les législations qui vont être adoptées à l'Assemblée nationale cette fois puissent accompagner la République dans son développement. Nous sommes donc arrivés à la fin, on a attendu. On va en prendre deux, trois personnes en langue nationale. Faizi, on va en prendre en langue nationale. Faizi, Toutikoé, Baba. Non, Aswahili, il faudrait introduire Aswahili. Aksati, on fait ça à Radio Pa Télévision à Taïfa, nous mettons à Koufata Hapo, Matangazo, ya matokeo ya uchaguzi ya wateule wa Taifa. Kwa jumla wamekuwa 147 ambao wametajwa leo, lakini umati ya kati ya wateule hao wengi ni masura mpya. Nikusema kwamba kunako bunge tutafuata, tutakuwa na wateule kuko wa zamani ambao walirudia, lakini wengi kati yao ni sura ya wapya. Bunge wanapewa hiyo bahati na wakongomani baada ya kampeni ambao waliweza kufanya wakati wa uchaguzi. Hivi sasa ni matokeo ya wateule ya taifa. Baadaye kutafata, kwa siku za usoni kutafata matokeo ya wateule wa jimbo, na kwa mwisho itakuwa matokeo ya washauri wa kima. Voilà, chers compatriotes Bandekonabisso, on va devoir arrêter parce que ça a duré très longtemps. Vous avez entendu, ça c'est la proclamation des députés nationaux. Ils sont au nombre de 477. Eh bien, bon, il y en a qui ont été dessus, mais il y a des personnalités à mauvaise réputation qui ont été réélus. Députés nationaux. Il y a par exemple Mandon Simba, le séparatiste, il a été élu député national. Il y a Dominique Inamizi Munongo, oui, la tribaliste, celle qui discrimine les Kasaïens, qui les insulte même, elle a été réélue députée nationale. Qui encore? Il y a Ngoï Kassange qui a été réélu. Hein. Il a été réélu député national, Ngoï Kassange.
Voilà, chers compatriotes, vous pourrez peut-être réécouter. Bon, la vidéo, elle est très longue. Je pense que je pourrais la découper à partir du moment des proclamations des résultats. Et puis, je vais la remettre. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et là, nous nous trouvons aux prochaines émissions. Il est 3h moins 5, heure de Kinshasa et de Bruxelles. Désolé, nous étions obligés d'attendre.